Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus, bien entendu, pour cette nouvelle chasse au trésor. Toutes les conditions, croyez-moi, sont réunies pour que cette chasse soit tout à fait exaltante et tout à fait belle, tant au plan des images qu'au plan, je pense, du suspense. Et vous savez que cette émission, c'est une alchimie, c'est un ensemble de choses. Nous allons en Turquie, et la Turquie est un pays tout à fait extraordinaire, où il y a des paysages très contrastés, une histoire extrêmement riche, surtout dans la région où nous allons jouer aujourd'hui, que je vous présenterai dans un instant. J'accueille les candidats, qui sont des candidats belges, bonjour, de Bruxelles, je vous présenterai dans un instant. Je vous accompagne pour vous parler un petit peu de ce pays, de la Turquie. Nous avons une carte ici, nous allons jouer dans la région de Kaş, c'est ici, au sud de la Turquie. Et c'est tout à fait une région historique, une région très riche en souvenirs de ce pays à la longue histoire. C'est un pays important, la Turquie, il est plus grand que la France, par exemple. C'est un pays de 50 millions d'habitants. On peut voir sur cette carte que la capitale Ankara est au cœur de ce pays, qui fait le lien entre l'Occident et l'Orient, avec Istanbul, sur le Bosphore, qui est vraiment la ville symbolique de la Turquie, entourée de quatre mers, la mer Noire, ici au nord, la mer de Marmara, entre le détroit des Dardanelles et le Bosphore. Vous connaissez la Turquie? Non, un petit peu. Bien. La mer Égée et la Méditerranée, voilà. C'est là que nous jouons et c'est là que nous retrouvons Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à tous, bonjour chers candidats, bonjour Didier, bonjour Elsa. Mmh. Eh bien, je suis légèrement à l'intérieur des terres, sur la côte méridionale turque, et la ville principale, eh bien, c'est Antalya. Antalya qui se trouve à peu près à 250 km. J'ai roulé toute la nuit jusqu'à 3h du matin par une route qui serpente dans la montagne, fantastique. Et je me trouve actuellement dans un petit théâtre antique. Je suis en Anatolie et plus précisément en Lycie. Et je dois avouer que la civilisation lycienne me rappelle un petit peu la civilisation nabatéenne que nous avions rencontrée à Petra. Rappelez-vous, c'était en Jordanie il y a de cela plus de 2 ans. Patrick Fabry va vous montrer des sarcophages lyciens qui se trouvent légèrement sur sa gauche, en bas de ce petit théâtre antique. Et je vais vous donner ma position exacte. Je suis à Yavigoyou, au nord-est de la ville de Kaş. On dit Kaş, mais ça s'écrit K-A-S avec une cédille en dessous. Et je vais retrouver l'hélicoptère et les pilotes pour vous présenter donc notre équipe. Merci Philippe, bien vu, nous avons repéré sur la carte l'endroit d'où vous allez décoller dans un instant. Je vous présente les candidats, donc bruxellois, belges de la capitale, Marc et Myriam de Villers, ou de Villers, on prononce le S, hein, de Villers. Marc, vous êtes employé de banque et Myriam, vous êtes secrétaire, vous voyagez souvent, donc vous avez l'habitude. Vous ne connaissez pas la Turquie, mais vous connaissez le pays voisin, la Grèce, dont quelques îles d'ailleurs grecques viennent frôler les côtes turques. Elsa Manet, rejoignez-nous. Bonjour Elsa. Bonjour. Bonjour. Vous croyez que je vais vous raconter des histoires d'archéologie? Pas du tout, je vais vous parler du Père Noël. Oui, quand je vous dis Père Noël, oui, vous pensez à la Scandinavie. Eh bien non, le Père Noël est né en Turquie, sur cette côte-là justement, cette côte turquoise, que l'on dit turquoise parce qu'elle est tellement belle. Et en fait, c'est Saint-Nicolas qui est né là, et partant, la légende du Père Noël. Enfin, le Père Noël, ici, c'est moi. Je vous laisse la première énigme, et je vous souhaite de réussir dans vos recherches. Merci, Elsa. Vos encouragements sont un bienfait, à chaque fois, vous le savez. Voilà, Philippe, nous sommes prêts. Oui, c'est parfait. Patrick et Serge donc, descendent de l'amphithéâtre, et viennent avec moi donc vers cet hélicoptère, qui est un Bell 205 de l'armée turc. Je rejoins donc ces pilotes pour les présenter. Il y a le major aux commandes, non, ici même, le major Ugur Erdem. Le copilote, eh bien, c'est Bahatim Adeguzel. Et le mécanicien, c'est Mehmet Tachi. Bonjour messieurs, merci de bien vouloir jouer avec nous. On va pouvoir commencer. Je suis prêt, Didier. 45 minutes, vous le savez. Pas une seconde de plus, je le dis à chaque fois ou presque, je suis obligé. On ne peut pas vous accorder de délai supplémentaire et parfois, vous avez vu, il y a certains trésors qui se trouvent à la dernière seconde. Il ne faut pas perdre de temps au départ et je vous engage à tout de suite chercher très très vite et à donner des indications précises à Philippe. Attention Philippe, voici la première énigme, oui. Top chronomètre. Nous allons découvrir ce texte. Oh, très court, très très court.
2500 francs pour cette première énigme. Au pied du sarcophage, Philippe en parlait, tiens, à demi-immergé, retrouvez une cruche. Voilà Philippe, pour cette énigme. Oui. Au pied du sarcophage, à demi-immergé, retrouvez une cruche. Mm-hmm. Alors, Myriam et Marc, à vous d'agir. Oui. À vous de chercher, à vous de donner des indications à Philippe. En fait, on va chercher au niveau de la région où on se trouvait parce qu'il nous a indiqué qu'il y avait des sarcophages. Alors peut-être un sarcophage à demi-immergé. Allô, Philippe ? Philippe ? Je vais vers la mer. Oui, bonjour Philippe. Très bien. Bonjour Marc, bonjour Myriam. Bonjour. Ma première question à poser, s'il y a des habitants près de toi, ce serait de savoir s'il y a un sarcophage immergé dans les environs ou si s'ils connaissent l'histoire. Et aller vers la mer, vers le sud, vers la mer. Je ne sais pas, oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi là pour le moment. Moi, je vais chercher. Est-ce qu'il y a des personnes autour de toi, Philippe? Non, il n'y a absolument personne. L'endroit est désert, je suis donc à l'intérieur des terres, comme je vous l'ai dit. Décoller. Oui, alors tu décolles immédiatement et tu prends la direction de la côte, de toute façon. Et je vais vers la côte. Oui, je pense. Et nous, on va chercher où pourrait se trouver ce sarcophage. On va bien positionner Philippe. Marc, vous m'aidez? Oui, vous l'avez repéré. Oui, il est à Yavikoyou, je crois. C'est ça, d'accord. C'est ça, oui. Donc, il part d'ici. Oui, je suis à Yavikoyou. Oui. Donc, pas bien loin de... Philippe va se diriger... De la côte. Vers la mer. Voilà, nous quittons donc cet amphithéâtre et tous ces sarcophages. Mais alors, les sarcophages que j'ai sous les yeux, bien sûr, ne sont pas immergés. Non, donc c'est logique d'aller en direction de la mer. Je pense que nous en trouverons. Oui, vers Okagiskoyou. D'accord. Ouais. Donc on descend tout droit. Sarcophage, 106. Tu as trouvé quelque chose sur les sarcophages? Je pense. Alors relisons cette énigme. Oui. Ensemble, au pied du sarcophage à demi-immergé. Tu as trouvé une cruche. J'ai trouvé une cruche. À demi-immergé. Dans de l'eau? Oui, probablement. Oui, ça probablement. À demi-immergé, donc il serait. Ça peut être une rivière, ça peut être un lac. Oui, ça peut être un lac aussi. La mer, mais enfin, ce serait quand même. De toute façon, ça doit être un lieu archéologique. Un lieu archéologique, oui, tout à fait. Un site, logiquement, un site qui se situerait près de la mer. À moins que ce soit un sarcophage qui renferme un prince ou. Ah oui, ou justement. Un roi qui soit isolé, je ne sais pas. J'ai quelque chose sur les sarcophages. Allez-y, Marc, vous parlez bien fort. Oui, alors, ce sont le musée de l'Orient ancien. Et le très riche musée des Antiquités qui contient notamment parmi un très grand nombre de pièces d'architecture, de sculptures de bronze et de vases, souvent de premier ordre, la série des grands sarcophages découverts dans la nécropole de Sidon. Mais il ne parle pas de sarcophage. Oui, un sarcophage à demi-immergé dans un musée, ce n'est pas possible. Curieux. Nous sommes loin de la côte, hein? Nous volons assez bas. Alors, nous partons vers Ugazikoyou. On peut peut-être le situer au niveau, oui, voir du côté de cette région-là. Oui, regarde un peu dans les. Le Ugazikoyou. Alors, regardez le sarcophage. Ça va quelques mètres au-dessus de route. En fait, c'est surtout ça qu'il faut chercher et à demi immergé. Il n'y a rien sur les sarcophages, je suis là. C'est un vol tactique que nous faisons. Philippe, vous nous tenez informés de votre vol. Je viens de passer un village. Oui. Je viens de voir un minaret. Alors sur ma carte, j'ai du mal à le localiser. Peut-être Keshmeli. Je suis ici. Voilà, nous faisons un vol fantastique. Oui. Fantastique. Nous rapprochons donc de la mer, que maintenant je peux voir. Je pense que d'ici une minute, nous serons au-dessus de la côte et nous passons au ras des arbres. Sarcophage, c'est surtout ça. Avez-vous trouvé quelque chose Nous cherchons, non, Philippe, on cherche nous pour le moment. La côte. Vous avez la région côte, est assez dénudée. Sur la côte, on va regarder. Très rocheuse. La côte doit être superbe. La côte, eh bien, je la vois, elle se découpe maintenant. Elle est en effet superbe, il fait très très beau aujourd'hui. Péninsule. La région, c'est une sorte de maquis. Ah, le sarcophage de notre Saint-Nicolas. Peut-être bien, je regarde. Je ne sais pas dans quelle région c'est pour le moment. Je vous écoute, Myriam. Oui,
Il parle en fait d'un certain sarcophage de Saint-Nicolas. Je ne sais pas encore, je vais lire un peu plus loin pour voir, parce qu'il parle d'un paysage côtier. Nous descendons carrément au fond d'un Talweg, qui va, je pense, déboucher sur la mer. Oh là, nous passons carrément dans des gorges maintenant. Oui. Et je vois la mer, je vois même une plage devant moi. Je suis très situé attendez. En fait. Où allons-nous? Can you show me on the map where is it? Philippe, en attendant qu'on trouve l'endroit exact, tu survoles la côte et tu oui. regardes si jamais beaucoup tu ne trouves pas par hasard un sarcophage immergé. L'antiquité lycienne. Oui, justement. Je devrais arriver à Ugazikoyu. Oui. C'est ça. Et sinon, donc dans les livres, avez-vous vu, je sais pas, une nécropole, un cimetière, avez-vous des renseignements parce que... Je vais arriver sur cette côte, est-ce que oui, je dois pour le moment, nous n'avons toujours rien. À l'ouest, à l'est. Au fond de la vallée, il y a des arbres en fleurs. C'est très très joli. Voilà, nous débouchons donc maintenant sur la mer. Je suis dans 2 secondes au-dessus de l'eau, voilà. Toi, tu n'as rien sur le sarcophage. Mais là, tu regardez à l'histoire. Nous ne savons pas où il faut aller. Ici, qui est une province très particulière. Oui. Regardez... Si vous voulez longer la côte et puis dans les documents qui yeux. Sont sur la côte, oui. turquoise, comme nous disait Elsa tout à l'heure. J'ai pris l'option de partir vers le sud-ouest. Je longe la côte actuellement. Oui. Je cherche des yeux à ce qui pourrait être un sarcophage à demi immergé. Je ne vois rien et s'il y en a un, en tous les cas, je le verrai très bien parce que la mer se détache très bien sur ces cailloux blancs. Sarcophage, sinon, au pied du sarcophage à demi immergé, retrouvez une cruche. C'est peut-être quelque chose quand même de très connu. Oui, un site qui est quand même connu. Alors, vous êtes allé à Ugazikoyu. Oui. Peut-être pourriez-vous chercher à cette localité. Vous l'avez dans les... Attendez, je vais faire une erreur. Ce n'est pas à Ugazikoyu que j'ai débouché. C'est plutôt un petit peu au nord-est, sur cette côte. Oui. Vous êtes où exactement, Philippe, là? Mais écoutez, je vais poser la question. Can you show me on the map where is exactly? Voilà, ils me disent que nous n'allons pas tarder à arriver sur Calais. Calais, d'accord. Nous voyons sur la carte, c'est juste sous notre hélicoptère à nous. Calais, alors, donc, tout à fait sur la côte. Ça devrait être un village. Calais, entre une île. Entre une île. Donc nous sommes alors, sur la côte. Là, il faut aider Philippe. Oui, absolument. Là, alors regardez les différentes localités. Regardez à Calais. On va regarder. Regardez peut-être ce qui se passe sur cette île. On cherche un sarcophage immergé, à Patrick et Serge. Je regarde à Calais. À demi immergé. C'est un sarcophage. À demi, oui. Ouais. C'est très particulier tout de même, un sarcophage à demi immergé. Attention au temps, 9 minutes 15 secondes. Je viens de contourner Calais, vous avez quelque chose? Rien sur la côte. Puissance 69. Donc Calais possède 2 citadelles. Oui. Ah, je vois une forteresse là. Oui. Légèrement sur la droite. La forteresse là. Ah, j'ai quelque chose qui peut être intéressant parce que c'est dans notre direction. En bateau, il est facile de se rendre jusqu'à l'île de Kekova. Justement, j'ai pensé une île, moi, justement, parce qu'à demi immergé. Regardez, c'est dans ce document-là qui est notre propose. Dans tous les cas, je ne sais pas parce que si le sarcophage est à demi immergé, il ne se trouve sûrement pas en haut de la forteresse. Oui, Philippe. Oui, Myriam. Philippe, je viens de trouver une indication ici. Est-ce que vous pouvez vous rendre à l'île de Kekova? L'île de Kekova. C'est pas très loin. Vous voyez sur votre carte? Pouvez-vous aller à Kekova? C'est juste Kekova. En face de Calais. S'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Il faut traverser. Sarcophage à demi submergé. Ça oui, c'est ça. Non Kekova? Oui. Kekova. Alors voilà, vous j'arrive maintenant île, Philippe à Calais, qui devrait être oui. sur ma droite. Il y a une autre forteresse et l'île se trouve en face. Pouvez-vous voler sur l'île, s'il vous plaît, can you fly? Okay. Allô Philippe. Oui, je vous c'est écoute. C'est là que normalement devrait se trouver le sarcophage à demi immergé. Il y en a plusieurs. Sur l'île. Il y en a plusieurs. Regardons à Kekova. Oui, maintenant à Kekova. Je regarde. Vous aider. Ah, vous Kekova. Êtes Kekova. Kekova. Oui, c'est là qu'on était. Dans les environs. Je vous laisse. Regardez. Pas d'autres documents qui pourraient. Voilà, nous passons donc face à la forteresse de Calais et nous allons maintenant Kekova, s'il vous plaît. Kekova. Oui, c'est bien ça.
C'est la civilisation lycienne. Lycienne, oui, tout à fait. Il y avait un livre ici. Kekova ! Kekova ! Je vais chercher Kekova. S'il vous plaît. Ah, Philippe, vous devez la voir, cette île. Oui, oui, bien sûr, je la vois. Je viens de passer donc à proximité de la forteresse de Calais, comme je vous le disais. Et je vais sur Kekova. Je demande au pilote de bien vouloir me porter sur la côte nord de l'île de Kekova. Mais nous avons un gros hélicoptère aujourd'hui. Parce qu'en fait, il parle de... Et les manœuvres ne sont pas toujours aussi souples qu'avec un petit... Ça, c'est un sarcophage lycien. Peut-être que le sarcophage est devant moi. Est très connu. Bon, alors, Myriam. Oui. Vous pensez que... En longeant l'île, je devrais voir un sarcophage à demi immergé. Je pense que ce monument doit être quand même très connu au niveau de l'île. L'île n'est pas très grande, à mon avis. Je pense qu'on pourrait peut-être se renseigner. Je la vois, elle est face à moi maintenant. Oui. Elle paraît déserte. Elle est, comment dirais-je, aride. Il y a quelques ruines intéressantes d'églises byzantines et surtout une étrange métropole lycienne au sarcophage à demi submergé. Il y a un bateau là-bas et on pouvait... Philippe, oui, explorez logiquement la côte nord. Nord, oui. Oui, c'est ça. Je suis maintenant au-dessus de la côte nord. Alors on va chercher, Patrick, peut-être, comme l'eau est assez claire, Encore si tu peux filmer vers le bas, on cherche un sarcophage à demi immergé. Bon, Myriam, oui. Myriam et Marc, je suis maintenant donc face à Calais et je cherche. Là, je vois quelque chose, mais ce n'est... Non, il n'est pas à demi immergé. Là, il y a des ruines. Tu as vu le bateau là? Maybe can you fly another? Non, Jones, attendez plus loin peut-être là? Oh là là! Attention, on peut pas. Je longe toujours cette côte à vitesse réduite. Oui. Je ne vois rien. Vous n'avez pas de documents, de photos, de. Rien pour le moment, Philippe, on cherche. En tous les cas, si je prends, pour exemple, les sarcophages que j'ai vus, donc près du petit théâtre, je vois bien la forme qu'ils ont, je n'en vois pas pour l'instant. Il y a des escaliers qui comment dirais-je, sont creusés dans la roche. Ici, il y a dû avoir une civilisation importante, beaucoup d'escaliers donc qui attaquent la montagne depuis la mer. Je cherche donc des yeux au fond de l'eau, je ne vois rien. Sarcophages. À demi submergé. À demi submergé sur l'île de Kekova. Attendez. On est bien, en bateau, il est facile de se rendre donc jusqu'à l'île de Kekova, où se trouvent quelques ruines intéressantes, donc d'église byzantine, une étrange métropole lycienne au sarcophage. Bon, Myriam et Marc. Oui. Bon, cette île est complètement déserte. Ah. Je me propose de retourner sur Calais, peut-être, et d'essayer d'interroger quelques personnes. Je resterai sur cette île. En fait, il me semble qu'il doit y avoir un site archéologique. Ah bon. Oui, parce que moi je venais de la quitter. On repart sur l'île si vous voulez. Vous ne voyez rien, Philippe. Parce qu'on nous parle très distinctement. Moi je n'ai rien vu. On nous parle très distinctement d'une nécropole lycienne. Oui, une nécropole. Et avec quelques ruines en fait d'églises byzantines aussi. Écoutez, moi je ne peux pas continuer à chercher comme ça, je ne vois rien. Je préfère aller demander à la population. Oui. Je vois d'ailleurs sur près de Calais, en bas de la forteresse. Ah oui, mais ils ne sont pas immergés. Il y a des sarcophages. Tu vois bien à droite de la forteresse, Patrick. Oui. Oh, il faut que je me pose. Je vais me poser là. Je vois des sarcophages à droite de la forteresse. Oui. Ils ne sont pas demi immergés, mais il y en a plein, beaucoup ici à Calais. Can you land, please? Here. Et si jamais vous ne pouvez pas, je vais y aller. Je vais sauter dans l'eau. Patrick, je crois que tu vas pas pouvoir. Tiens, je te laisse ma carte. Philippe, il y a un village à Kekova sur l'île. Oui, écoutez, je vais me poser dans l'eau. Patrick ne va pas pouvoir me suivre. Un peu plus par là, si vous pouvez. Voilà, je pense que là... Avancez encore un peu. À l'extrémité du village, un tombeau à moitié immergé. Avancez encore un peu, si vous pouvez, parce que je vais mouiller ce portable. Alors, attendez, de quel village? Avancez encore un peu. Philippe, écoutez-nous. Oui, le village. Allez, je vous écoute. Myriam. Parlez bien fort. Oui. En fait, je lis dans un des livres, le village de Calais, sur le continent, doit son nom à une citadelle génoise qui le domine. Okay, c'est un véritable village du bout du monde. On n'atteint pratiquement que par la mer où les filles dans les courettes fermées et ombragées crochettent des fils en filière. Enfin bon. À l'extrémité du village, donc c'est bien du village de Calais. Et non, Philippe. Oui, Philippe, vous repartez vers Calais, immédiatement. Je suis à Calais, oui. Je viens de descendre de l'hélicoptère, je suis dans l'eau, je rejoins allez à l'extrémité du village. À l'extrémité du village, il y a un tombeau lycéen à moitié immergé. À l'extrémité, ce serait par là. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est à l'extrémité du village.
À l'extrémité donc vers l'ouest. Hein. Oui. Ah oui, j'en vois un. Oui. J'en vois un. J'en vois un qui est dans l'eau. Oui. J'en vois un qui est dans l'eau. Attendez, mais je suis pépé d'une centaine de mètres. 200 mètres. Oui. J'y vais. Alors c'est au pied du sarcophage, Philippe. Une cruche. Là, vous une cruche. Et on recherche une cruche. J'imagine, oui, une cruche. Une petite cruche. Attendez, il faut que je traverse tout le village. Oui. Mais ce village tombe dans l'eau et... Oui. Je suis obligé de repasser un petit peu dans l'eau. Ça doit être... Attendez, je l'ai vu. Peut-être une photo quelque part. On vous suit, Philippe. Oui. Bon, là, j'ai... Vous avez une photo? Je commence une course un petit peu folle. Tu n'as pas une photo de Calais. Il y aura peut-être ce spécial quand même. Peut-être dans ce... Non, il n'a pas encore regardé. Philippe, on vous suit. Expliquez-nous. Alors, je me suis fait déposer près du village. Oui. Oui. Je suis allé dans le village. Oui, on va peut-être trouver un plan. Tu n'as pas un plan du village? Ça y est. Oui. Je suis à 50 mètres. D'une tombe, d'un sarcophage à demi immergé. Oui. J'y vais. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'eau. Oui, il doit y avoir de l'eau, puisqu'il est immergé. Je suis à 10 mètres. Oui. Attention, j'y arrive. Et je dois trouver quoi? Une cruche, cruche. Une cruche. Une cruche, Philippe. Oui. Au pied du sarcophage. Une cruche, attendez, il y a. Une cruche. Oui. Au pied du sarcophage, j'ai la cruche. Stop. Top. Bien. Très bien. Merci, Philippe. Bravo. Vous avez trouvé la cruche. 28 minutes, 3 secondes de la fin. Très bien. Je crois que tout s'est bien passé. Vous nous décrivez la cruche, Philippe, rapidement? Le sarcophage, je ne sais pas si elle est là depuis longtemps, mais elle tient le chac, si je puis dire. Elle n'est pas tellement abîmée. Je la monte à la caméra. Les images seront plus explicites que mes descriptions. Bien. Ok, je vais rejoindre l'hélicoptère si tu peux descendre, s'il te plaît. Il vous reste un temps tout à fait convenable pour la suite de l'émission. Je crois que vous avez très bien procédé. Elsa va nous expliquer alors pourquoi... Bonne initiative d'être partie sur Calais puis sur Kekova. En fait... Ça se trouvait exactement entre Kekova et Calais. Calais, anciennement Simena. Quelle curieuse idée d'immerger les sarcophages. Eh, c'est qu'il y en a eu des histoires, là, à raconter. Il y a eu quelques séismes qui ont fait s'affaisser toutes ces nécropoles. Des villes entières sont encore enfouies sous la terre et sous l'eau. C'est un véritable paradis pour les archéologues qui peuvent trouver encore des milliers, des milliards de choses fort intéressantes. Okay. Peut-être des cruches, peut-être des bijoux, peut-être d'autres nécropoles encore. En tout cas, ce sarcophage à demi immergé est tout à fait fameux. Il se trouve donc entre Kekova et Calais. Et là, nous sommes en pleine civilisation lycienne, civilisation qui est très peu connue encore. Les fouilles sont assez récentes. C'est très ancien, les Lyciens, qu'il ne faut pas confondre avec les Lydiens, on a beaucoup parlé de Crésus dans l'histoire, les Lyciens dont Hérodote disait jamais aucun grec, vous savez Hérodote le père de l'histoire, et on en apprend des choses en cheminant avec Hérodote, eh bien il a dit des Lyciens, jamais aucun grec n'a soumis la Lycie, c'était un peuple fier, rebelle à toute soumission surtout, et il avait des villes et en fait, cette civilisation est connue surtout par ces nécropoles qui ont été mises à jour et qui sont dans cette partie de cette côte turquoise. Et beaucoup, beaucoup de choses sont encore à découvrir. L'écriture de la Lycie n'a été déchiffrée que très, très récemment grâce à une fouille où l'on a trouvé une inscription trilingue. Voilà. Peut-être ajouterais-je tout de même que l'explication de Lycie, Lycie viendrait du mot Luca, c'est-à-dire les peuples venus de la mer. Ils sont mentionnés pour la première fois dans des écrits égyptiens et hittites. On sait très très peu de choses. Et vraiment, tout est à découvrir et je crois que cette civilisation lycienne fera encore très longtemps la joie des archéologues. Tant mieux, parce que les pays un peu secrets ou mystérieux encore deviennent de plus en plus nombreux. C'est merveilleux, oui. Mais ça, c'est merveilleux. Ah non, mais là, il y a vraiment de quoi faire pendant des siècles encore. Oui, oui.
Merci, Philippe. On découvrira au fur et à mesure, car pour l'instant, de l'histoire, on en a guère. Tout à fait. Philippe, j'ai la deuxième... C'est somptueux, ce village de Calais, nous venons de le survoler en passant au-dessus de la forteresse. Et je vous promets, c'est vraiment très très beau. Il y a des coins qui sont fantastiques, pas très loin de chez nous quand même. Nous repartons, Philippe? Oui, on repart. 28 minutes, 3 secondes, c'est le temps qu'il vous reste pour trouver les deux autres trésors. Attention, top chronomètre, voici la deuxième énigme. Elle vaut 5000 francs français. Et elle est aussi courte que la première, en tout cas, vue de loin. Je la lis. Direction nord-ouest, sur qui est le muscat, point d'interrogation, sur le tulu, avec une petite chose comme ça, c'est peut-être le toulou, ou sur le pélivan. Alors je relis cette énigme, Philippe, en vous expliquant les mots qui semblent des noms propres, pendant que Marc et Myriam sont déjà plongés dans le dictionnaire franco-turc, c'est ça. Direction nord-ouest. Alors, c'est une indication intéressante. Nord-ouest, on peut aller sur qui est le muscat, sur le toulou, T-U-L-U. Le muscat, c'est un talisman. Une amulette. Un talisman. Alors, sur qui est l'amulette? Sur le tulu ou toulou, ou sur le pélivan, P-E-H-L-I-V-A-N. Voilà. Alors, la direction. Une direction, une indication très intéressante. Je vais demander au pilote d'aller sur nord-ouest. Nord-ouest, c'est bien ça. En direction du nord-ouest. C'est ça, Philippe. D'accord. Mais pendant combien de temps, ça je sais pas, j'ai pas. Alors nord-ouest, ça nous fait repartir... Nord-ouest, ça nous fait partir... ça dépend si c'est nord, nord-ouest... Ça nous fait repartir comme ça. Nord-ouest. C'est ça, hein? Oui. C'est ça, c'est la direction. On est au-dessus des villages de Timizin ou Keshmedi. Oui, nord-ouest. Il y en a plus que c'est que le pélivan. Alors, nous cherchons maintenant le tulu, T-U-L-U, ou le pélivan. Philippe, vous volez vers le nord-ouest. Je vole vers le nord-ouest. D'accord. Tu as vu pélivan? Nord-ouest. Ah oui, voilà. En fait, le pélivan, c'est un sport, un lutteur, un athlète. Pélivan, c'est un athlète? Un sport, un lutteur, athlète, oui. Alors, où se trouve l'amulette? Sur le tulu ou sur le pélivan? Sportif, sur l'athlète. L'athlète. Alors, le tulu maintenant. Et le tulu, on voit que c'est en fait une indication. Attention. Levé du soleil ou d'un astre. Théâtre d'improvisation. Attention, tulu, ça s'écrit T-U-L-U avec des petits points. Attention, oui. Je viens de pénétrer à nouveau la montagne par une autre gorge. Et nous arrivons maintenant ici. Un petit peu. Au-dessus du premier. Ah, il y a un village là. Ça devrait être le village de Tirmizin ou Chevrilly. Non, il y a deux petits points. Parlons d'athlète. Bon, est-ce que vous voulez que je me pose à ce village? Myriam et Marc. Oui, Philippe, et tu te renseignes une chose sur le tulu? Le tulu, ça nous ne trouvons pas. Le pélivan, c'est un athlète, mais le tulu. Le tulu, on ne voit pas exactement la même orthographe. Vous pouvez me poser près du village. Pas du village. Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un sport? Parce qu'on parle d'athlète. Alors bon. Là où il y a le minaret, là, si on peut sur la monture, pas sur l'athlète, peut-être. Ah, messieurs. Oui, je cherche un combat. Alors nous avons l'athlète, nous avons le talisman. Oui, mais le tulu. Nous cherchons vite d'autres indications pendant que Philippe se renseigne sur place. Alors, tulu ou pélivan? Non, pélivan, nous avons trouvé. Nous l'avons, c'est tulu. Oui, pélivan, pardon. Oui, tulu. Pélivan, ah voilà, attendez. Tous les chameaux ne peuvent participer à ce combat. Le chameau de combat est un mâle qui porte le nom de Tulu. Trouvez. Ah, allô, Myriam, vous êtes formidable. Philippe, un Tulu, c'est un chameau. Un chameau. Donc c'est ici. Maintenant, il faudrait savoir où se déroule ces... C'est un mâle, bon, écoutez, en fait. J'arrive à proximité du village. Confirmation. Oui, il n'y a pas plus grand. In the field, dans le champ, si on peut se poser là. Le plus maintenant, c'est de savoir où ça se passe. Le plus en fait, possible. La direction, c'est nord-ouest. Voilà. Donc, merci. Les tulus, voilà. Vous avez demandé s'il y a des tulus ou des pélivans. La fête, c'est tout. En fait, il faut chercher dans la direction nord-ouest une ville qui... Alors, où se trouve l'amulette? Sur le chameau ou sur l'athlète, le sportif qui est sur ce chameau, en fait. Merci. Ah, vous pensez qu'il est sur le chameau? Ah. C'est vraisemblable, oui. Moi, je me demande si ce n'est pas soit sur le... Enfin, non, c'est... Attention, pas tomber, le caillou... L'un ou l'autre, donc il faudra chercher. À moins que le sportif soit sur le chameau, pourquoi pas. Ou à côté. Sait-on jamais. Mais comme c'est un combat de chameau, peut-être qu'il incite le combat, pas trop. Je vais regarder. D'accord. Le premier temps. Attends. Il n'y a personne. Mais c'est un combat, je pense qu'on s'est un peu... Alors... S'il te plaît, s'il vous plaît.
Tulu. Tulu, je cherche Tulu. Tulu, Bélivan. Bélivan, Bélivan. Bon, où ça? Là, on a un problème de direction. De direction, en fait. On va aller au nord-ouest jusqu'à ce qu'on trouve des chameaux. Tulu, Bélivan, vous venez avec moi? Il y a sûrement un endroit où se passe. Oui. En fait, il parle d'une ville. Ce sont des combats de chameaux, hein. Des combats de chameaux, oui. Philippe. Loin, oui, attendez, je viens de rencontrer un jeune Turc. Je viens de lui demander Tulu, Bélivan. Et il me dit qu'il y en a, mais il me fait signe de la main. Je le prends avec moi, je retourne dans l'hélicoptère. Oui. D'accord, Philippe. Tu peux dire au pilote, parler avec les pilotes. Samedi, dimanche. Hein? Tulu, Bélivan. Tulu, Bélivan. Oui, tu vas indiquer au pilote, s'il te plaît. Non, la province d'Ayadine. On va lire ça calmement. Tu dis Tulu, Bélivan. Tu le dis l'endroit, tu montes. Calmement, où ça se trouve. On y va. Où ça? Viens. Tulu, Bélivan. Vous avez des photos de combats? Oui, justement. Oui, si, ça c'est le chameau de combat. Attendez, on va les montrer. Voilà, nous redécollons. Oui, nous redécollons avec ce jeune homme à bord. Oui. Où ça? Là-bas. Alors. Ah, je vois un rassemblement de personnes. Là aussi. Est-ce qu'il y a des chameaux? Attendez, il y a un rassemblement de personnes. Oui, je vois des chameaux. Oui, oui, je vois des chameaux. Oui. Oh, beaucoup de gens rassemblés. If you can, yes, if you can run. Oh, une fête. Il y a des danseurs et des lutteurs. Oui. Il y a des lutteurs. C'est ça, Philippe. Ah, oui, ça fait des lutteurs. Il y a des chameaux. Il y a une quinzaine de chameaux. Il était marqué lutteur. Il était marqué dans le dictionnaire. Oui, il était marqué lutteur. Merci bien. C'est gentil. Alors. On y va. Philippe, on relit l'énigme. Direction nord-ouest. Oui, là, oui. Sur qui est le muscat, donc le talisman, Myriam? Sur le tulu ou sur le pélivan? Attention, hein. Moi j'ai l'impression que c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre, tel que c'est formulé. Je vois mal le muscat sur le chameau. Enfin, oui, moi non plus. Bon, écoutez, Marc et Myriam. Oui. Voilà, je suis peut-être maintenant à 100 mètres de la fête. Attention, on va revenir, Patrick. Tulu, et tu demandes après le muscat. Pardon? Tu demandes après le muscat. Le muscat. Muscat, c'est en fait ça qu'il faut trouver. Il faut trouver le muscat. Oui. Soit l'athlète. Il faut fouiller les chameaux et les lutteurs. Fouiller les chameaux et les lutteurs, oui. Voilà. Tu te renseignes, Philippe, tu demandes. Muscat. Attendez. Il faut que je cherche sur les chameaux et sur les lutteurs. Oui. Oui, il faut voir s'il y en a beaucoup. Mais il y a une vingtaine de chameaux. Oh non, alors là, il faut absolument qu'on trouve un autre renseignement. La personne que tu rencontres, tu lui demandes à quoi ressemble d'abord un muscat. Pardon. Oui. Muscat. Je pense que c'est un ou. Muscat. 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 Parce qu'on parlait de petites clochettes ici. Je vais voir. Je me demande si. Il n'y a pas de blouse, comme on dit. I am looking for. Je cherche. Comment dit-on en allemand? Je crois que les Turcs parlent beaucoup l'allemand. Je cherche en allemand. Ich suche. Ich suche. Les candidats sont multilingues, Muska, Philippe. Muska. Tout ce que vous voulez. Anglais, Muska. Allemand, Muska. Turc. Muscat. Un Muska. Petit peu, oui. Depuis un quart d'heure. Attention au chameau, là. Ich suche muscat. Muscat. Parlez. Mais qu'est-ce que c'est un muscat? Muscat, c'est une amulette. Une amulette. Une amulette, ouais, sans doute un petit talisman. Mais je vais regarder parce qu'il y a quelque chose. Muscat. Ich suche muscat. Est-ce que ce ne serait pas Muska. Une petite clochette amulette. Ou quelque chose? Muscat. Clochette, gling, gling, gling. Je sais pas, il y a des femmes ici rassemblées, une cinquantaine ou une centaine de femmes ici assises, toutes enturbanées. Oui, des danseuses et des lutteurs. Il y a des lutteurs. Ich suche Muscat. Patrick! Oui? Muscat, l'amulette qu'il a sur le côté? Muscat? Ah, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas, justement. On cherche pour le moment dans la documentation qu'on a si on a une indication. C'est un Muscat? 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 On voit pas bien là. Est-ce qu'on ne voit pas une petite chose? Regarde un peu à la ceinture des lutteurs. La ceinture. Oui, il y a. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas une petite, je sais pas, un talisman? Do you speak French? Parlez-vous français? English. Je cherche un muscat. Mais qu'est-ce que le muscat? Une amulette. Une amulette. Amulette. Talisman. D'après les photos, oui, moi je pense. Bon, écoutez, alors il y a un lutteur qui avait quelque chose à la ceinture et il me dit que c'est le muscat. Regardez la ceinture. Oui, mais ils sont en train de se battre. Monsieur. Bah, vous en prenez un des deux. Pour le combat. Vous en prenez un des deux, Philippe. Je peux le prendre. Ils sont très larges. Je peux le prendre.
Non, mais je peux le... Non, prenez l'un des deux lutteurs. Oui, oui mais un des deux. Voilà. Non, mais... Je voudrais ça. Tiens, regardez ici si on parle. Je voudrais... Écoutez, oui, je voudrais ça. Non, mais ça, je voudrais... Attendez, non. Attendez, je sais pas ce que les... Attends, oh, pardon. C'est de le prendre, attention. Attends, stop. Stop. Bien, Philippe. Tu l'as fait l'ami KO. Je suis sur le dos d'un lutteur. D'accord. Bon, vu leur gabarit, oui, c'est costaud, ils sont corpulents hein, en général. Costaud, hein, Philippe. Écoute, merci. Ça va, Philippe? C'est un lutteur turc qui a un gabarit assez impressionnant. Très bien. Mais je vous ai fait mal? Non, mais non. Mais... je lui ai fait mal, non pas avec ma force, mais avec le portable que j'ai. Ah, ah oui. Philippe, il paraît qu'on casse la main du lutteur à la fin du combat. Oui, je vais lui serrer la main. Non, on lui casse. On lui serre pas la main, on lui casse la main. Philippe ? Il ne faut pas essayer. Philippe ? Je crois qu'il vaut mieux qu'il n'essaye pas. Il ne veut pas. Non, il ne veut pas, Philippe. Il valait mieux que Philippe soit, compte tenu de la photo, oui, sur le dos du lutteur hein, que le lutteur oui, sur son dos. Ça, c'est tout à fait évident. Elsa, vous connaissez ces lutteurs ? Mon Dieu, oui. Oh, ah bon, j'aurais bien vu Philippe au corps à corps avec ces lutteurs. Vous savez, ils sont superbes. Mais alors, assez difficiles à toucher car ils sont gras. Ah oui, c'est ils ça, sont ça lui beaucoup. Au double sens du terme, d'ailleurs, parce qu'ils sont enduits d'huile d'olive. Et c'est vraiment formidable, ce corps à corps huileux et gras, c'est merveilleux d'ailleurs. Ça remonte, vous savez, la lutte des lutteurs turcs, ça remonte à l'Empire ottoman, c'est une vieille tradition. Là, dans cette énigme, qui ne vous a d'ailleurs posé aucun problème, alors là, vous avez manié le dictionnaire turco-français à merveille, vous avez tout de suite trouvé tous les mots, toutes les significations, on dit mousca d'ailleurs. Ah oui, parce que le petit tréma donne le U, le tulu. Et le mousque, le U sans tréma, devient le OU. Alors, vous avez donc gagné beaucoup de temps. Il vous reste énormément de temps pour la troisième. C'est superbe. Nous sommes là en pleine imagerie turque, telle qu'on l'imagine. Enfin, des lutteurs turcs, des combats de chameaux. Car il y a aussi ces fameux combats de chameaux. C'est une merveille en Turquie. Il faut absolument assister à ça. Ça, c'est beaucoup plus récent. Ça n'existe que depuis le siècle dernier, à peu près. Alors, ces chameaux sont dressés pour la lutte. Ce sont des combats de chameaux fameux. Et lorsqu'ils deviennent champions, ces fameux chameaux, ils sont vraiment une retraite assurée. Ils sont monstrueux d'ailleurs, ils arrivent à peser jusqu'à 1300 kg alors qu'un chameau normal ne pèse que 400 kg. Il faut dire qu'ils sont fort bien nourris. Alors là, nous avons vu d'un côté les chameaux et de l'autre nos beaux lutteurs, nos pélivanes. Avouez que c'est une belle énigme, non? Et alors Philippe en prise avec un lutteur pour lui arracher son petit talisman, c'est-à-dire son mousca, c'est tout de même quelque chose. C'est une petite prière en fait, une petite formule, porte bonheur. Alors j'espère qu'elle vous portera bonheur pour la troisième énigme en tout cas. C'est bien parti. Je la tiens. C'est bien encore, parti pour, car il vous reste vraiment beaucoup de temps. Vous l'avez entre oui, les mains, Philippe. Voilà, je tiens ce deuxième trésor. J'ai montré à la caméra, donc on peut ouvrir ce petit étui et il y a à l'intérieur un petit papier roulé. Je pense que c'est une prière ou quelque chose de semblable. J'ai les mains couvertes d'huile. Oui. Ils ont de l'huile d'olive sur tout le corps. C'est assez fantastique. Avec le soleil, leurs pantalons de couleur noire luisent. Et c'est très très beau. Les gens sont tous déguisés. Et il y a de la musique. Et vraiment, bon, ils ont des pantalons de cuir, Philippe. Philippe, oui, vous avez entendu la coutume. Trempés dans l'huile. On ne serre pas la main aux lutteurs. On leur casse la main à la fin. Oui, oui. Ben pour l'instant, en tous les cas, j'étais très gêné parce qu'il m'a soulevé lorsque j'ai voulu lui prendre le deuxième trésor. Il m'a soulevé et il s'est cogné le visage avec l'émetteur que je tape actuellement. Et c'est du solide puisque ça fait 4 ans que je le balade autour de la terre sur la poitrine et on prend des chocs. Et malheureusement, ce lutteur l'a pris dans l'œil et il avait un petit peu mal. Bon. Enfin, il était costaud et je pense qu'il s'en remettra bien. Vous laisserez les souvenirs monsieur, aussi en Turquie. Merci. Alors, au revoir. Nous repartons pour le troisième trésor. Troisième trésor, 20 000 francs. Vous avez beaucoup de temps. Je suis très très content parce que ça se passe très très bien. 18 minutes 12 secondes. Si vous fonctionnez, comme on dit, aussi bien que depuis le début, si vous êtes aussi logique et aussi organisé, ça va très très bien se passer. Hein, Elsa? Ah oui, sûrement. Très bien. Attention, Philippe. Oui. Top chronomètre. Voici la troisième énigme. Top chronomètre. Pour le troisième trésor. Un tout petit peu plus loin. À l'est du théâtre d'Antiphélos.
Mon marteau est resté sur le toit du tombeau aux fresques. Et c'est signé un archéologue. Elsa nous a beaucoup parlé des fouilles actuellement dans cette région. À l'est du théâtre d'Antiphélos, A-N-T-I-P-H-E-2-L-O-S, mon marteau est resté sur le toit du tombeau aux fresques. C'est signé un archéologue. Allô, Philippe ? Oui ? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi pour l'instant ? Oui, oui, justement. Eh bien, écoutez, oui, je n'ai pas quitté la fête parce que je pensais que vous alliez me le demander. Eh bien, tu demandes s'ils connaissent par hasard le théâtre d'Antiphélos. Antiphélos. S'il vous plaît, le théâtre d'Antiphélos. Théâtre Antiphélos. Un site archéologique, quelque chose. Est-ce possible que ce soit près de Cache ? Antiphélos. Antiphélos. Théâtre Antiphélos. Vous pensez pourquoi ? C'est loin, non, moi je pense que c'est loin. Moi ça me semble loin, tu sais. Attendez, il y a un monsieur qui semble connaître. Vous pouvez me montrer sur la carte, s'il vous plaît, Antiphélos. Le théâtre d'Antiphélos. Antiphélos. Oui, où, sur la carte, s'il vous plaît. Philippe pourrait décoller. Nous sommes. Oui, demande à Philippe de décoller. Moi je voudrais qu'il parte et on va chercher, on va trouver On va peut-être lui dire là. Tirmizin ici. Tirmizin ici. Antiphélos. Oui, ici, Antiphélos, où ? Antiphélos. Attendez, je ne comprends pas. Attendez, on cherche sur la carte. Antiphélos. Je trouve pas ça. Ah, je vois. Andifli. Andifli. Mais Andifli, c'est à Cache. À Cache. Andifli, Antiphélos. Andifli. Sam, kiff, kiff. Andifli, Antiphélos. Allô, Philippe, le théâtre, c'est ce que vous dites pareil. Antifli, Antiphélos, c'est-à-dire, ah ben Antifli, c'est Cache, hein, c'est Cache, c'est en dessous, là. Attends, on va chercher. Phébus, Phébus. Je vais garder Antifli s'il n'y a pas le nom. Alors, attendez, il me montre Antifli et Phébus. Andifli. Andifli et Phébus. Mais est-ce qu'il y a un théâtre, là ? Qui serait un petit peu au nord. Un théâtre. Phélos, Antiphélos. Ah, Phélos, Antiphélos. 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 Ah bon, alors attendez, ils me disent que Antiphélus serait... Ça ressemblerait pas ? Antiphélos et Phébus serait Phélos. Phélos, Antiphélos. Bon, je vais essayer de... Je vous laisse réfléchir. Bon, oui. Myriam et Marc, moi je vous donne les informations que j'ai. Ok. Lorsque je leur pose la question Antiphélos, ils me disent Antifli, Antiphélos. Phébus, Phélos. Voilà, hein, je confirme. Antifli, Antiphélos, Phébus, Phélos. Antiphélos, Phélos. Oui, je crois qu'il faut aller vers Andifli. Je pense, je ne sais pas moi, je crois qu'il faut aller par là parce que je bon, vois allez, celui-ci. Bon, allez, on perd pas de temps. Philippe, on y va. Philippe, vous vous rendez si c'est vers par là, Andifli. C'est loin, donc oui, Andifli. Parce que je vois le nom d'un théâtre. Direction de Cache, d'accord. Ok, bien, je vous laisse, messieurs, merci. En continuez à vous amuser bon dans chemin. Cette oui, merveilleuse fête. On va vite vérifier, hein, on va vérifier. De toute façon. Je n'ai pas le temps de faire un tour de chameau. Non, Philippe, le chameau après, vous décollez. Oui, le chameau après. Merci messieurs, au revoir. Je pense qu'on perd pas de temps parce que nous parce que je vois Antiphélus ici, Antiphélus, le site merci. De l'antique Antiphélus. On reviendra Phélus. Cet après-midi. Au revoir. Bon, allez, on y va. Je pense qu'il y a un site. Voilà. Peut-être qu'il y a un théâtre voilà. Surprenant qui est taillé dans le roc. Voilà. Ah ben voilà. Tout bêtement. Notre théâtre. Où est-ce là donc alors c'est, oui, Phélus, c'est ça. C'est l'histoire de la Lycie, la tout ça. Oui, on est en plein dans le. Et ça se trouve sur. Antiphélus, c'est Cache. Cache, oui, c'est Cache. Alors c'est Philippe, de toute façon, c'est sur Cache que tu voles, hein ? Sur Cache, regardez oui. À Cache, d'ailleurs. Oui, je et suis en justement, bordure il de en mer, parle. Il y a oui, l'antique Antiphélus en face de ah, l'Ypres. Bon, oui, c'est oui, bon, avec... on ne compte pas, Philippe. Il y a un mélange de tombeaux lycéens, là, il n'y a pas de problème, je pense qu'on est. Bon, alors Philippe va voler. Et il y a un petit théâtre, un petit. Antiphélus, donc, vers Cache, qui est la principale ville de cette région du sud de la Turquie. Alors, pendant ce temps-là, pendant ce temps, pendant que Philippe vole vers Cache, à l'est du théâtre d'Antiphélos, mon marteau est resté sur le toit du tombeau aux fresques. Et je crois que nous gagnerions beaucoup de temps si nous pouvions trouver, pendant qu'il vole, le toit du tombeau aux fresques. Alors, le tombeau aux fresques. À vous de jouer. Il y a un mélange en fait de tombeaux lycéens près de ce théâtre. Tu n'aurais pas une photo de ce théâtre ? Oui, il y a une photo du théâtre et en fait là tout près. Donc Philippe va survoler une bonne partie de cette région. À mon avis, là tout près, il y a beaucoup de tombes taillées dans le roc. Oui, il y a des tombeaux. Des tombeaux lycéens taillés dans le roc ou en forme de sarcophage à couvercle en carène de navire. Oui, ça semble logique, mais sur le toit du tombeau ou fresque. Bon, mais écoutez, en tous les cas, on est quand même assez loin de...
le cas. J'espère que vous aurez toutes les informations. Oui. Alors, est-ce que c'est à Cachemire ou est-ce que c'est... Non, enfin, moi, je doute. À l'est du théâtre, donc. On l'a, le théâtre? Oui, à l'est. À l'est. Il est face à la mer, il est face à la mer, donc... Oui, mais à l'est du théâtre, de toute façon, donc... 12 minutes 50, hein, ne perdons pas le temps que nous avions. À l'est... Il va le voir, Philippe. Il va le voir, il n'y a rien à faire. Vous pouvez le situer, oui, en par rapport à Cache. Nous sommes à quelques mètres du sol. Dans la montagne. Le guide bleu, ce matin, cache. Il est en face de l'île de Castelorizo. Ce théâtre, on peut peut-être lui indiquer. Il se trouve en face de l'île. Donc, et ça se voit en fait, l'île se trouve juste à l'opposé. Il y a un doute ici. Cache, le théâtre marqué. On a peut-être un autre livre qui parle de Cache. Oui, ou sur la lycée. La lycée, c'est ce que je cherche. La lycée. Vous avez le livre sur la lycée? Non, avait tout le à livre l'heure. Orange. C'est un livre orange. Celui-là? C'est trop en dessous, je pense, juste que celui-là. C'est un livre qui parlait de tout ça. Carrie au lycée, 550. Si on peut aller le plus vite possible, Major, s'il vous plaît. Oui. Nous cherchons Philippe, hein. Vous, oui, oui. Vous nous faites part de votre Bah écoutez, en approche. Tous les cas, je peux vous dire que le Major Ugur Erdem est en train d'effectuer un vol qui nous impressionne tous, Patrick, Serge et moi-même. Et maintenant, nous sommes au-dessus d'une sorte de petite vallée avant de réattaquer la montagne qui va surplomber la mer, oui. Et direction Cache. En tous les cas, ici, là, les agriculteurs ont beaucoup de courage parce que, je regarde, en survolant quelques champs, il y a beaucoup, beaucoup de cailloux. Et il faut une dose de courage énorme pour pouvoir rendre fertile toute cette région. Ah là, c'était joli, on est passé. Ah, du mauvais côté. Salut le village, oui. Rien de nouveau? Marc, Myriam? Je cherche. Oui, en allant en coupant dans la montagne, on va aller plus vite. Il faut passer cette colline. Et après, je pense qu'on va pouvoir... Combien de temps nous reste-t-il, Didier? 10 minutes 30. Il vous reste 10 minutes, oui, 27 secondes. 27. Bon, je pense que d'après la carte... Il faut qu'on ait tout résolu. Quand on est dans les temps, et en tous les cas, le troisième trésor se trouve à Andy Free. Je cherche sur la voilà, t'as vu, ça grimpe comme un ascenseur. Hop. Vous avez le livre sur... Cache, oui, mais Cache est tellement grand qu'il faut trouver vraiment... Attendez, je vais prendre celui-là, on va se faire un petit échange standard. Oui. Écoutez, nous piquons à travers la montagne, nous naviguons donc au cap, j'espère que nous allons arriver le plus précisément possible sur Cache. Mm-hmm. Tu as vu, il y a même encore de la neige sur les... Bon là j'ai des sommets. Indications sur Antifellos. Oui, à côté de lui. Et là tout d'un coup c'est très vert, des arbres, des champs. Voilà, 6e siècle avant Jésus-Christ. Oui, est-ce qu'il y a des indications géographiques? Alors attendez, la grande vallée, là, ça doit être. Vous avez un plan Antifellos? Oui, moi je vais lire ici. Le théâtre, que se trouve ici. Le théâtre, ça c'est voilà. La mer, d'accord. Donc, là, le tombeau, voilà, il parle des tombeaux, oui. Il parle des tombeaux ici. Alors attendez, je vois une presqu'île et une île. Philippe, oui. Marc et Myriam ont tous deux des documents sur Antifellos qui sont complémentaires. Marc a un plan. Et Myriam semble avoir des indications extrêmement précises sur l'histoire. Allô, je pense Philippe? Que Marc va pouvoir vous guider. Philippe? Oui. Lorsque tu seras à hauteur de Cache, enfin face au temple, tu devras encore te diriger vers l'est. Attendez, là je n'ai pas très bien compris vos... Le nord-est. Quand il sera face au théâtre. Le théâtre est face à la mer. Le théâtre est face à la mer, donc il ne faut pas se tromper de direction. Oui, lorsque tu es face au théâtre. Face au théâtre. Tu survoles la mer, tu es face au théâtre, tu prends la direction nord-est. D'accord. Et tu devrais tomber sur Rock Tombs. Bon, alors il faut donc que d'abord que j'aille face Philippe, à la vous ville voyez de ce Cache. Site écoutez, je ne suis pas encore arrivé à la ville de Cache, mais bon. Si je comprends bien alors, mon indication... Philippe arrive par les terres. Oui, il arrive aux terres, par les terres, nous on est face à la mer. Mais je lui demande de toute façon d'aller face au théâtre. Je préfère suivre vos indications. Et de là, partir. Je retourne sur la mer, oui. Vous devez trouver, parce que ça va bien nous guider, un somptueux théâtre.
qui est face à la mer. Un théâtre comme on les imaginait. Très bien, un théâtre tout en gradin. Regarde le plan. Qui fait... Bon, écoutez Didier, j'arrive par le nord, j'arrive par les terres, sur la ville de Cache. Si vous voulez bien, je préfère me mettre dans la position des candidats, c'est-à-dire je vais me mettre sur la mer, je vais me mettre face à la ville de Cache et je vais essayer de chercher des yeux à un théâtre. Et ensuite vous volerez donc vers la côte et le théâtre est face à la mer. D'accord. Alors. Il y a beaucoup de tombeaux de ce côté-là. Alors, je vais, voilà, Cache. C'est Cache, la ville de Cache. Théâtre. Très bien. Voilà, le théâtre est là. Vous avez le théâtre. Alors on va mettre toutes nos photos les unes à côté des autres pour guider Philippe. Le tout c'est de trouver le tombeau aux fresques. Voilà, je vois devant moi la ville de Cache maintenant. Patrick peut la filmer, je pense. Ici, il y a la page 93. Alors on va chercher maintenant. Il n'y a qu'un théâtre. Hein. Il n'y a qu'un théâtre, mais il y a plusieurs tombes. Et il se trouve dans la ville de Cache. Là, il y a plusieurs tombes. Il y a plusieurs endroits. Allô, oui. Ce théâtre se trouverait dans la ville de Cache. Non, ce théâtre ne se trouve pas dans la ville de Cache. Le site archéologique se trouve un peu en dehors de la ville, hein, Philippe. Face à la mer. Ah bon, face à la mer. Oui, le théâtre se trouve face à la mer. Ah bon, alors dans ce cas-là, il faut que je reste sur la côte. Oui. Bon. Moi, je vais lire un peu au niveau de la tombe. On va essayer de prendre de l'altitude au-dessus de la ville de Cache et je vais chercher des yeux à théâtre. Oui. Voilà. 6 minutes 30. Mm. If you can fly very high, just above the Cache City. Combien de temps maintenant? 6 minutes 15 bientôt. Vous n'avez pas de photos du tombeau fresque? Non. Il y a des tombeaux. Alors voilà, je suis maintenant au niveau du port de la ville de Cache, si on peut prendre de l'altitude. Une frise, ce serait peut-être ça. Attends, la main pour danser. Verticale la ville de Cache et je vais chercher donc un théâtre. Si on peut prendre de l'altitude. Prendre de l'altitude. Prendre de l'altitude. Montez. Très bien. Voilà. Alors je suis au-dessus de la ville de Cache. Un théâtre. Encore, si on peut monter, messieurs. Si on peut monter, s'il vous plaît. Attendez, là, l'hélicoptère se met maintenant en ascenseur. Il y a peut-être une photo Un théâtre. Ce tombeau à fresque. 5 minutes 30. Il est en bordure de mer, hein, 5 minutes 30. En bordure de mer. Oui, en bordure de mer, il est vraiment face à la mer. Attendez, je vois le village, hein, le minaret, le petit port. Si on peut monter encore plus haut. Encore plus haut, s'il vous plaît. Là, encore un autre minaret. Un théâtre. Attendez, voilà, théâtre. Il y a un théâtre là. Est-ce qu'il y a un... Elle le dirige maintenant. Alors maintenant, tu te diriges un petit peu vers le nord-est. Il y a tout un site de tombes. Je vois, oui. Ok, please. Mais on ne sait pas quelle tombe. Maintenant, on va chercher la tombe avec les frais. 200 mètres. J'ai des textes en anglais qui donnent des informations. Regarde, là, nord-est, un petit... Je vois la tombe. Vous l'avez sur votre plan. Did you see the tombe? Cette tombe en face. Non, toujours pas. Yes, please, can you drop me? Thank you. Combien de temps nous reste-t-il? 4 minutes 44. Chercher cette tombe à fresque. Ah oui, il y a plusieurs tombes, il y en a une qui est assez importante. Alors, dites-moi, redites-moi l'énigme. Alors, l'énigme, je la relis à l'est du théâtre d'Antifellos. À l'est, vous partez vers l'est. On part vers l'est, hein, Philippe. Mon marteau est resté sur le toit du tombeau au fresque. Je le vois. Oui. Je vois le marteau. Tu vois le marteau? Oui, attention, je suis déjà sur la tombe. Combien de temps nous reste-t-il? 4 minutes. 4 minutes, et bien, je le prends quand même. 4. Je l'ai. Il l'a. Il l'a? Tu l'as, Philippe? Je l'ai! Vous l'avez? Sur la tombe, oui, la vue la plus grande à l'est. Merci, Philippe. Vous l'avez, Philippe? Oui, je l'ai. Je l'ai vu, l'hélicoptère m'a posé juste au-dessus. Oui, c'était la plus grosse à l'est. Comment avez-vous fait, Philippe? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Est-ce que tu as aperçu le théâtre, vous m'aviez dit légèrement au nord-est, et j'ai tout de suite aperçu cette tombe qui est particulière dans le site, qui est un bloc, comment dirais-je, un gros cube. Et je me suis fait dropper sans aucun problème, les pilotes sont excellents. Et il y avait le petit marteau que j'ai vu du ciel, et je le tiens dans la main. Bravo, à 4 minutes de la fin, mais c'est super ça. Super. Merci, Philippe. Ah, magnifique. Écoutez, c'est
extrêmement rare. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Extraordinaire. Alors là, je n'en reviens pas moi-même. Vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça se passe si vite. Nous avons vraiment déjà pas, car il y avait un piège dans cette énigme, et personne n'est tombé dans ce piège. Car, bon, les tombes lycéennes, les sarcophages et les tombeaux dans les rochers ne manquent pas dans cet endroit. Et il y avait effectivement énormément de tombeaux à flanc de montagne. Et honnêtement, je pensais que vous iriez, étant donné que vous aviez le plan sous les yeux, que vous iriez vous balader autour de Antiphélos et de Cache, Cache étant le nouveau nom évidemment d'Antiphélos, que vous iriez vous promener un petit peu partout. Mais alors là, fabuleux, tout de suite, le bon tombeau, le tombeau à fresques, où se trouvait le marteau. Alors là, vraiment formidable. Qu'est-ce qu'on va faire des 4 minutes? Ah bon, je vous parle d'Antiphélos. On va bavarder. Même. Parlez-nous d'Antiphélos. Nous allons deviser. Vous êtes intéressant. Antiphélos, une des rares cités lyciennes à entretenir des relations avec le monde grec. Antiphélos, une des rares cités à porter un nom grec d'ailleurs, puisque Phélos signifie caillou, et je crois que Philippe en a survolé pas mal des cailloux là, en rejoignant Cache. Antiphélos, donc le terrain rocailleux d'en face, avec ce merveilleux théâtre, cet amphithéâtre qui a comme décor, comme toile de fond, la mer. C'est vraiment une pure merveille, ce théâtre. Et je suis vraiment ravie qu'on l'ait survolé. Je pense que peut-être Philippe, pour occuper les quelques minutes qui nous restent, pourrait nous déclamer se poser définitivement dans ce théâtre, déclamer quelque chose, car il y a certainement une très bonne acoustique. Oh, j'aurais pu les amener. Vous n'avez pas un petit poème qui est prêt, là? J'ai préféré, comment dire, me diriger vers un village, et je suis donc avec des villageois. Il y a plusieurs personnes autour de moi et je les regarde. Ça m'intéresse de les rencontrer parce que dans cette émission, on va toujours très très vite et puis on a assez peu le temps de discuter avec les gens. Alors là, vous pouvez prendre un petit verre de raki à la santé de nos candidats, de nos heureux candidats. Ils sont bien contents d'avoir gagné les 3 trésors. Merci Elsa. Voilà. Bravo. Philippe, bravo. Marc et Myriam, vous avez remarquablement bien joué, et je crois, et c'est tout à fait intéressant pour ceux qui suivront, les autres candidats, qui n'ont pas toujours votre chance, vous avez une méthode extraordinaire de recherche, vous répartissez parfaitement les tâches et vous analysez chaque mot, et je crois que c'est très très important. Écoutez, formidable, parce qu'on ne gagne pas si souvent que cela, les trois trésors à la chasse au trésor, hein, c'est une question de temps, de recherche et au fond un peu de chance tout de même. Oui, bravo. Trois trésors, trois énigmes découvertes, c'est-à-dire, je ne vais pas faire c'est 27 500 francs français. Je vais vous remettre un jeu de la chasse au trésor. En souvenir de cette émission, je pense qu'avec ce que vous avez gagné, vous pourrez voyager. Je sais que vous adorez les voyages. Je vais vous montrer l'île de Philippe aussi. Voilà, l'île de Dieu le veut, j'ai du ciel bleu dans mon passeport. Et ça bientôt. Belle émission, belle promenade dans les paysages de Turquie. Après, Philippe Oui, l'hélicoptère allait venir me reprendre sur la terrasse d'une maison, mais est-ce que vous pouvez vous écarter? La dame va descendre d'abord, parce que ça fait beaucoup de vent. Il est gros hélicoptère. Si vous voulez bien descendre, et puis moi je vais remonter. Oui, au revoir, merci. Bien, nous quittons, Philippe. Oui, bon, on se quitte, d'accord. Au revoir, Philippe, et merci. À la prochaine. À très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi et d'avoir joué avec nous, car je sais que vous jouez avec nous beaucoup, dans toute l'Europe et même ailleurs, à cette chasse au trésor. Merci de votre attention. Bravo encore. Et à très, très bientôt pour une prochaine chasse au trésor.